Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et merci encore de nous recevoir chez vous à la maison. Je suis votre M serviteur, mais vous savez plus à présenter le dernier. Toujours le dernier, l'émission Farfa est maintenant chez vous. Alors je suis avec ces deux messieurs. Voilà, j'ai pas voulu faire une introduction parce que ils sont plus à présenter. Voilà, c'est un groupe qui marche très fort, un groupe qui représente la Côte d'Ivoire de par le monde. Voilà, ils sont jeunes. Talentueux, ils sont motivés encore pour mettre dessus. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes. Ils ont la pêche. Ils sont talentueux. Puis ce qui est grave même là, ils sont motivés encore. Donc ça veut dire que là, même là, c'est pas la peine. Alors, mesdames et messieurs, on est avec eux. On va faire l'émission Farfa. Je vais leur poser les vraies questions. J'ai les petites doxieux. Il faut qu'on les pose. Parce que ils aiment fuir les questions. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec le groupe TNT. Yeah, famille. Yeah. Comment? On est calé, Grégoire. Hey. Mais tu as entendu que tu viens à la pêche. On n'est pas pêcheur. Ah non, tu viens m'attaquer quoi? Il y a la question pour toi. Je suis milieu, je ne suis pas attaquant. Ah, donc tu es même milieutisé. Ouais, à milieu. Oui. Alors, mesdames et messieurs, je suis avec TNT. Alors, les gars, comment ça va? Ça va en voiture, à pied, c'est qu'il est sûr. Tant qu'on avance, c'est bon. Dieu merci si vous avancez. Yeah. Alors, comment se passe vous avez sorti un nouveau truc là, la promo, où elle se passe comment là? Ça se passe bon, hein, super, ça fait bien. Carrément 3 mois mm-hmm. voilà, que ouais. le double single est disponible. Mm-hmm. Voilà. Allez avant. Mm-hmm. Et c'est maintenant qu'on a balancé le clip d'avant mm-hmm. qui fait tache tuile. Oui. Moi, franchement, ouais. Je kiffe le son, je kiffe la vidéo. Ah. Voilà. Ah, c'est la première fois. Lui là, c'est la tâcheur. Ainsi, lui, il te dit, il a fait ça. Ça me fatigue. Alors, dites-moi les gars, on va aller un peu dans votre genèse parce que c'est la première fois que vous faites l'émission Farfa. Yeah. Comment est-ce que vous avez réellement commencé la musique? Bah, déjà, il faut rappeler que Joe et moi, on est amis depuis 2003. D'accord. Et ça fait 15 ans d'amitié, donc c'est mon frère aujourd'hui. Les parents se connaissent. D'accord. Et on s'est mangé chez ses parents, mais c'est lui qui venait manger. Non, il partait manger chez ses parents, lui venait manger chez moi. Et puis en ce temps, il partait manger dehors. Wow. Voilà. Alors, il n'a même pas eu spaghetti ou bambara. Alors, en tout cas, donc moi j'étais dans un groupe de rap R&B qui s'appelait 22e District dans le temps. Mm-hmm. C'est de ce groupe là qu'est issu Mike Alabi. Ah, d'accord. Voilà, nous étions dans le groupe et en même temps j'avais l'amour de la danse aussi. Donc je dansais seul. Lui il avait déjà un groupe d'amis avec qui il dansait. Donc il s'avérait qu'il y a eu un mini variétoscope et un concours de danse. Nous on habite à Angry. Hein. Donc il y a eu le concours de ma cité et de sa cité. Les battles de danse. Donc sa cité devait envoyer un danseur. La mienne aussi devait envoyer un danseur. Donc lui, comme c'est lui qui tuait là-bas, il a envoyé Joe. Moi aussi. Quand j'ai moi tué à l'autre côté, on m'a envoyé. Ah, c'est pas bêtis. Je te dis, c'est même pas béni. Là, on a assis dans les loges. Lui, là, c'est façon, on a assis. Quand on entend des causes, on attend notre tour. Et puis la musique qui joue là-bas, moi il me lève et dit le dernier fracata, si tu connais, quand Kofi Lumumba faisait comme ça. Et puis il monte et dit, mais comment il n'y a pas tout à l'heure là, voilà les pas. Et puis il montre, lui aussi se lève, il me dit ouais, moi aussi là, voilà, voilà. Tu es enchaîné. Maintenant on finit de montrer nos pas, on fait tirage au sort. C'est nous deux, ça tombe. Allez, bon, il connaît ce qui ça va faire. Il connaît pour moi, on va voir. Là il dit, bon, élément, allons on improvise un ballet là-bas ensemble. Ouais, ce que tu fais, il te suit. Ce que tu fais, tu me suis. On avance. On a tué. On a fait le duo. Ouais. Tu vois, pendant que tu appelles, quand c'est comme non, ça là. Si tu peux non, mais tu sais, il y a les appels quand tu connais pas, on décroche pas. De nos jours, les appels sont plus trop chers. Merci beaucoup. Et puis la politesse veut qu'on soit toujours en train de parler à nos fans de Farfa et de TNT. Moi aussi. Alors donc, vous avez pouvoir, au lieu de faire le duel, vous avez fait un duo. Ouais, au lieu de faire le duel, on a fait un duo et. Après ça, quand on a tué. Je l'ai approché, je lui ai dit, écoute, moi je danse seul. Toi tu as un groupe.
est-ce qu'il ne serait pas opportun de donner un nom à ce groupe et puis d'essayer de faire une carrière de chorégraphe dans le quartier déjà pour commencer, après dans la commune au-delà. Ouais. Voilà. Donc c'est après qu'il a dit oui et puis je laisse mon frère terminer. Voilà, donc le duo a tué et on a décidé maintenant de monter un groupe. Voilà, donc ce groupe s'appelait Team de Rue. C'était 4 filles, 4 garçons. Et nous, on était les chorégraphes. On ne les cherchait pas. Hein. Non, on était le premier chorégraphe. Puis c'était nos petites sœurs, voilà. Donc on a monté ce groupe. On est sérieux. Et on a vraiment une cote dans la commune de Cocody. D'accord. Au point où c'est nous-mêmes qui sommes les organisateurs de toutes les kermesses, les balles de fin d'année, les galas des universités privées comme des lycées. Et c'est après ça que Mehdi, maintenant, il avait déjà des compositions et tout. Il a un don de compositeur. Donc, c'est vrai, cas, moi j'ai remarqué on ça. On danse, on tchafou, on nous appelle même pour les mariages des enfants des présidents, tout ça. Mais... Ah, donc vous êtes appris, hein? Non, l'argent. On n'avait pas l'argent. Non, tu es franchement. Vous ne pouvez pas faire le gars du village, c'est déchiré. On n'avait pas l'argent. On donnait même des cours de danse. Tu vois? Et moi-même, je complétais tout ça, participer à ma scolarité et tout. Donc les parents considéraient la danse qu'on faisait. Et donc, à partir de ce moment, Mehdi a dit: bon, moi, j'ai un projet depuis longtemps. Moi, je rêve d'avoir mon groupe et puis on fait une carrière musicale. Donc j'ai appelé certains de mes amis dans le show, fier dans mon boy et puis on a fait le truc. Tu vois. Donc c'est comme ça que moi, étant un ami de Mehdi, je suis venu, il a appelé d'autres amis à lui. Et on était 5. Et c'est comme ça que le mouvement TNT a commencé. D'accord. Voilà un peu. C'est comme ça. Mais qui a trouvé l'idée du nom TNT? Donc on s'appelait techniquement Talentueux, pourquoi? Parce que nous étions 5, il y avait un qui faisait Raga Dancehall, l'autre qui faisait du hip-hop, ad même, l'autre qui faisait un peu de slow, et avec moi aussi on faisait un peu de slow R&B, et je faisais Raga et l'ambiance. D'accord. Voilà, donc on s'est dit techniquement Talentueux parce qu'on était, on va dire, un peu complet. Bien sûr. Voilà, donc c'est comme ça que... Vous avez toutes les techniques qu'il fallait. Voilà, pour agrémenter nos morceaux, mais pas pour aller dire ouais, on est puissant, on est fort, tout ça. Non, rien à voir. À quel moment ça a changé, c'est devenu tout notre talent? Déjà, c'est un problème de vision, parce que quand on s'est assis et que j'ai dit que j'allais former le groupe, j'ai précisé, j'ai dit: écoutez les gars, on ne fait pas ça pour draguer les filles du quartier, c'est vraiment pour une carrière. Donc, celui qui n'est pas prêt pour la carrière, il laisse tomber, mais on continue quand on est amis. Tout le monde a dit ouais. Pour la carrière. Mais personne ne voyait les difficultés qu'il y allait avoir devant, tu vois. Et à chaque fois qu'il fallait aller faire la promo, c'était je et moi. À minuit, on se retrouvait et on marchait tout le long du Latri, là, jusqu'à Cocody, pour partager nos sons. Les CD, on partageait. Ah, c'est en quelle année, ça, excusez-moi. En 2013. À partir de 2013. Parce que dans l'underground, on passait dans des points ça et là en 2012. Mais 2012, à partir de 2013, on partageait nos CD, mais on était toujours deux. Toujours deux, toujours deux. Et c'est là qu'on a rencontré Angelo Costucos, ancien manager de Bilibili, qui est aujourd'hui un frère à nous, et qui nous a dit: vous êtes combien? On lui a dit: on est 5. Il dit: mais pourquoi à chaque fois qu'on se croise, c'est vous deux seulement, je vois. Donc, ce qui se passe, allez vous asseoir à trois. Vous allez vous dire les vérités. Celui qui peut parler, qu'il dise maintenant. Il ne faut pas que vous tombiez sur quelqu'un, vous tombiez sur quelqu'un qui va vous aider. Et puis, du jour au lendemain, vous allez venir dire: on ne veut plus. Alors qu'il a déjà mis de l'argent. Donc, c'est bizarre. Donc, on allait s'asseoir. Il y a un. Lui ne venait jamais aux répétitions. C'était lui, il faisait ses trucs à part. Il était bizarre. Donc, lui-même, là, il s'est écarté seul. Lui, celui dit, c'est bon. Après, il y a eu Guy, qu'on salue au passage, qui est styliste, modéliste, qui fait de très belles tenues. Ouais, carrément. Qui a dit que lui, son rêve, c'est de faire le stylisme. Donc, on a dit: ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, le troisième, c'est à la répétition. À la répétition au grand terrain. Parce que on courait, nos répétitions se faisaient comme ça. On faisait le tour du terrain, 10 fois le tour du terrain. Et quand on finit les 10 tours, quand on est essoufflé, puis on chante. Tu vois, pour garder le souffle. Et souffler, puis tu chantes. Oui, on faisait ça parce que dans notre tête, on visualisait les concerts, tu vois. Donc, on se disait: un concert, c'est 2 heures, 3 heures sur la scène, donc il faut qu'on tienne le bout. Tu vois, tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, on a bossé ça avant d'être connu. On visualisait, on se disait au stade: bon, tout ça, c'est du monde. Donc, Joe, on est ici, Maxime, on est là. Comment on fait les déplacements? Il y a le public. Là-bas, ça crie. Donc, comment on fait pour aller là-bas sans toutefois oublier? On bossait tout ça. En tant que personne. En tant que personne. Donc, on s'imagine, les gens du quartier passaient et nous regardaient, ils riaient. Ils se moquaient. C'est eux, les gens là. C'est eux. Ils n'ont pas parlé aujourd'hui. Ils ne veulent pas parler. Tout ce qui est arrivé là, on parle. Mon gars Maxime nous annonce que
les gars, c'est bon, moi je vais partir. Ça a trop duré. Ça a trop duré, la réussite là. Depuis là, on ne voit pas. Donc moi, il est me chercher dans un autre groupe. Donc on a dit, on a essayé de le ramener à la raison, mais il a dit non. Donc on a dit ok, on est resté amis. Nous on a continué, on marchait. Parce que les parents ne voulaient pas qu'on fasse de la musique. Pour les parents, c'est école. Et puis après, on travaille dans une entreprise et puis basta. On a dit non, c'est ce qu'on veut faire. C'est la musique qu'on veut faire. Donc les parents serraient. Donc tu es obligé de partir dans les. Donner des cours de danse, ouais, organisation. Peu, ouais. Et puis le peu que tu gagnes, mm-hmm. tu vas en studio. Studio là aussi, pour ne pas être décomplété, tu marches. Donc on marchait des hangars pour là, beaucoup 4 étages. On finit le son et puis on revient. Quand on revient encore là, lui, on avait eu un doigt où d'un vieux père, il dit il veut le CD. Puis lui, va ce soir là en bing. Oh, petit, envoyer le CD. Là qu'on a, c'est pour aller. C'est pas retour. Donc s'il sent chez l'arrangeur que l'arrangeur n'est pas là, effectivement, il arrive à l'arrangeur n'est pas là. Il a marché de là jusqu'à Zo. L'arrangeur a dit n'est pas encore là. Non, il attend. Il va faire comment? Ouais. Il ne peut pas bouger. Non, de l'engrais jusque là. Après, c'est l'arrangeur même là. On dormait chez lui, on squattait chez lui. Ouais, on dormait chez lui. C'est qui ça? Il s'appelle Anno Ngaza. Aujourd'hui, il fait du chanteur, même. Chanteur, mais il fait du jazz. Guitare basse. Anno Ngaza qu'on salue. Ouais. Il a été, on peut dire, l'élément déclencheur. Oui. Il était au début. En tout cas, il était là au début. Lui, Angelo. Puis, il y a eu un frère à nous qu'on n'oublie pas qui s'appelle Ange Laurent Famien. Ouais. C'est le frère. C'est-à-dire que le gars, quand ça gomme, on voit les tenues, les sapes des pays là. Il nous donne, on se sape pour aller prester. Ouais. Ça, on dit ici c'est ça, on dit ici prêt pour vous. Son âne de poche, il prend et puis on fait tourner. On n'est pas encore connu pour dire on va cacher et zéro, pas rembourser. Zéro à la base. On tourne. Il fait sans rien demander. C'est lui qui s'élève, qui va chercher. En fait, il n'est pas manager aussi, il ne connaît pas. Mais le gars est avec nous jour et nuit. Jour et nuit. Je me rappelle, je vais te laisser raconter la scène de au feu Mia là. Où on est resté de midi. Ouais. Ouf. On devait être au Femia. Donc nous, vous savez, il y a deux scènes. On a la grande scène, amateurs. Puis à la petite scène pour les artistes en herbe. Donc nous, on est allé. On dit non, venez à 14h. On entend mais c'est un événement. Il faut la mise en place et tout. Nous, mise en place, là, nous, pour nous, ça a commencé en même temps. On est là-bas depuis le matin. On est assis sur Bricon. Et on attend. Voilà, maintenant, les trucs. Les, comment ils s'appellent les cinq rappeurs français, là. Section d'assaut qui passe, tout ça, et on est là pour un rêve. Quel jour, on est là. C'était les 14h du matin, là, on nous a fait jouer à quelle heure? On est passé à minuit, 1h. Et on n'a pas un manager qui est connu. Pas qui. Voilà, quand il vient, tu vois, on ne te considère pas. Tu vois, non? Donc, c'est un autre même qui est venu, il a dit, mais les gars, depuis le matin, ils sont là et tout. Donc, en fait, ils vont passer. Puis on est passé. Mais dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. On était là comme ça. Et puis, à ça, il faut passer avec le Kwa Kanza. Et puis le vieux père Claudicia. Claudicia. Donc on était là et puis on les a approchés. On s'est levé parti. Attends là, on t'a dit à toi, mais nous devons se lever bizarrement. On va dire, les vieux pères, c'est comment? Maintenant ils nous ont donné des conseils et tout. Ils ont dit vraiment, ayez la même vision. Soyez unis, que personne ne vous divise. Actuellement, il n'y a pas l'argent. Mais vous êtes unis là. Quand on va venir, c'était comme en ça. En tout cas. Et puis il dit peut-être un jour. Là c'est Claudicia qui a dit, peut-être un jour, qui sait, et dans 4 ans, 5 ans. C'est moi-même, dans 3 ans, qui va vous annoncer si on fait mieux. Tu vois, non? Puis le Kwa Kanza a dit, ah, mais on ne sait jamais. Peut-être même dans 3 ans, on s'est retrouvé. À Paris? En France, à Paris. Et puis moi, c'est vrai, vous me rappeler. Ah, viens, peut-être, tu te rappelles, non? Ah, nous, et puis on riait, tout ça. On riait et tout. 3 ans après, jour pour jour, Claudicia nous annonce. Femia. Nous, on lui a rappelé ça sur scène. On dit, viens, est-ce que tu te rappelles? Là, on nous a dit, les petits, si vous croyez en vous, si vous êtes unis et vous bossez, d'ici 3 ans, moi, il peut vous annoncer. Peut-être même moi, il peut vous annoncer. Ouais. Et aujourd'hui, tu es en train de nous annoncer. Lui, il a attrapé sa poche. Ouais. Et 3 ans, effectivement, encore. On se retrouve à Paris. À Paris, on se retrouve à Paris. On a fait la photo. On a fait la photo. Et puis, on a collé les deux photos. On la photo d'Anou Mambo. Et la photo de Paris. Vous avez grossi un peu par son là. Voilà, vous avez été menti. Moi-même, il reconnaissait plus. C'est quelle forme? C'est quoi? Là, c'est pas une. Je ne sais pas. Ça, parce qu'il ne mange pas. Mais c'est pas ça. Là, moi, je pensais que moi, il était gros. Il mange aussi. Tu peux se dire que ça, c'est le plus haut. Mais moi, c'est Pecno, là. Donc, c'est un peu une partie.
hein, de tout ce qu'on a traversé. Mm-hmm. Je me rappelle quand la pluie nous mouillait, il se rappelle. Voilà, mais non, en fait, moi, cassé en fait, le CD. Toi, t'as connu ça aussi? Oui, ah, hey, cassé, c'est pas, on pas dit le nom du coin. Pas, non, on a et puis, il a réglé, il a réglé le problème à la personne. On a pardonné. Donc, il a fait, il l'a rappelé, il voulait nier, mais il l'a rappelé, il se rappelle très bien. Il n'a même pas écouté le son. Il a pris le CD, il dit, viens te faire écouter de la bonne musique. Seigneur. Et puis il prend et puis il écoute tout, il dit, faites ça. Il dit, mais viens, mon gars, on n'a pas l'argent. Toi, tu nous donnes chanson de quelqu'un qui est déjà arrivé, nous, on n'a qu'à faire comme lui. Il dit, gagne l'argent pour faire. Il dit, tu discutes, moi, il a cassé mon CD. Il est venu faire le point, il dit, ah, ils ont cassé le CD. Tu sais, c'est quelle chanson qui était dessus? TNT puissant, si. Amanide, c'est ça. Hein. Et lui, il mousse ça jusqu'à et puis il demande quand le spot. Ah, il est rapide, mais vie mort, tu travailles pas. Ça cassé, c'est le même son. C'est le même son là. Que tu dis, tu as une chose, tu bonne musique. C'est la même chose. Donc, c'est une mauvaise chanson à tes spots. Quand on souffre comme ça, avant même de venir à votre ascension, quand on souffre comme ça dans le milieu de la musique, on se fait humilier, on se fait rabaisser. Tu vas même dans des soirées, on te dit, tu as presté. La soirée finie, tu n'as pas presté. En tant que tu n'as pas de transport et tout. Et t'as su. Oui, et puis, tu as, quand tu rentres à la maison, Dieu, à ce moment, toutes tes mollets te font mal parce que tu as marché. Et aujourd'hui, tu as un certain niveau. Ça veut dire que tu n'es pas peut-être Michael Jackson. Mais aujourd'hui, tu sais que quand tu passes dans un coin, on te reconnaît. Oui. C'est que quand tu joues ton son, mais en chante. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent? Bah, tu as un sentiment de fierté. Ça, c'est un premier point. Et puis après, tu as une prise de conscience, tu vois. Pour ceux qui réfléchissent, parmi nous les artistes, tu as une prise de conscience parce que tu t'es dit, en fait, tout ce que j'ai enduré, c'était pour me forger. En même temps aussi, pour me forger et pour édifier les autres personnes derrière. Parce qu'aujourd'hui, TNT reçoit beaucoup de mails de petits frères qui disent, les grands frères, aidez-nous, aidez-nous. On leur dit, ouais, travaillez, le moment va venir. Donc, ils sont aussi en train de voir leurs difficultés, tu vois, et ils sont en train d'apprendre. Aujourd'hui, ces personnes qui disaient, si vous êtes des moins que rien, vous n'allez pas arriver quelque part, vous chantez quoi de bon. Aujourd'hui, ces personnes-là nous appellent manac pour venir prester. À leur mariage. À leur mariage, à l'anniversaire, tout ça. Même là, hein. Parce que ça veut dire que TNT arrive à un niveau, tu vois. Mais on prend de la hauteur, c'est pas ça qui va faire que TNT va perdre la tête et puis être impoli ou guindé. Parce que c'est l'homme qui fait l'homme, tu vois. Nous, on sait qu'on a souffert pour être ici. Et si les portes se sont ouvertes, c'est peut-être l'humilité qui l'a fait. Donc, on reste toujours humble et on continue de travailler parce que avant de commencer, on s'était donné des objectifs. Moi, dans ma chambre, quand vous arrivez, il y avait écrit étape 1, on fait des sons. Étape 2, on va partager les sons dans les maquis, dans les bars. Étape 3, essayer d'avoir un staff. Étape 4, TNT se fait connaître. Étape 5, TNT sur les ondes. Étape 6, voyage inter. D'accord. Et puis étape 7, planer sur la sphère musicale, tu vois. Mais regardez les étapes. Actuellement, nous sommes à l'étape, on a commencé les voyages à l'inter. Donc nous sommes à quelle étape? À l'étape 6. Donc, l'étape 7 n'est même pas loin. Il faut se donner les objectifs et puis tu les suis. Tu vois. Faut être très organisé dans la tête aussi. Très organisé dans la tête et dans l'entourage. C'est important. Toi. Alors, Joe, moi je vais te poser une question. Comment est-ce que votre ascension a commencé? Vous avez pas ça, l'immeuble CCI en après ascenseur. Ah, c'est comme ça que la puis, ça a fait monter. Mais ça n'a pas explosé quelque part. Non, il y a un mari qui avait ascenseur. Il m'a fatigué comme ça. Donc, comment est-ce que voilà le succès, comment est-ce que c'est venu? En fait, quand vous avez la même vision, vous décidez d'aller très loin. Et pour aller très loin, on sait qu'il y a des étapes à franchir. Donc lui et moi, on s'est assis, on a dit, ah. Quand vous avez d'abord chassé les autres, hein? Non, même pas. Chassé d'abord. Non, les autres sont partis par rapport à leur vision. D'accord. Donc on a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, mais on reste des potes, des amis. On a dit, ok, il n'y a pas de problème. La preuve, quand l'autre, il a changé et qu'il a décidé de faire mine, géologie, il nous a appelé. Ah les gars, moi il a fait pétrole, il a fait un peu, non, les taquins, on a dit, hey Joe, si tu es sûr, tu ne vas pas nous oublier. On a dit, ok, on rit, tu vois. L'autre même nous a dit, venez faire des tenues chez nous. On a dit, ok, il n'y a pas de souci, quand on a les clubs, souvent on l'appelle. Donc il n'y a même pas de problème. Mais on s'est dit, pour aller loin, il faut quand même avoir un soutien. Il faut de l'aide. Donc on a dit, ah, essayons de trouver un producteur. Donc ça a été une étape qui a fait partie de notre ascension. On a couillé, on a trimé, les anges l'ont en famille, tout ça, tout le monde, nos gars, le restreint. On cherchait,
Et c'est comme ça que l'un de nos amis, dans le temps, nous a présenté un monsieur. Et on est arrivé comme ça, on était dans le bureau, et on a commencé à taper. Et puis on faisait la capella, nous voit, comme ça. Et monsieur a enregistré. Sans avoir même de maquette et tout. Non, enregistré. Directement, il était allé l'écouter. Ouais, faites ce que vous savez faire. Puis il écoute l'appel, un de ses gars. Voilà, le vieux père Raoul Bosplaya dans le temps. Il écoute comme ça. Et puis il écoute. Il dit, Joe, ce que tu écoutes là, c'est les petits, on me les a envoyés, c'est comment? Dis tout ça comment? Toi, tu connais un peu. Il dit, ça, tu les as laissés, c'est pas bon, valide. Faut valider, faut tester au moins. Il dit, ok, sur place là. Il dit, vous-même, vous avez combien? Il dit, fais plaît. Même là, voilà ce qu'on a. Il dit, bon, ok, je complète, rentrer en studio. Faites un son. Moi, c'est testé si un son d'abord. C'est comme ça, on est allé chez Shadow. Et on a fait Kanamogo blague, à connaît pas, à demander. Donc le son, paf. Ça a été notre deuxième clip même qui est passé sur les ondes. Parce que le premier clip, ça c'était nous-mêmes. Mais c'est quand t'as pas de soutien, ouais, t'as ça passe une impression. Voilà. Bon, donc Kanamogo blague est passé. Et bizarrement, l'ascension commençait. Mais il y avait une confusion. Les gens pensaient en même temps qu'on était étrangers. Donc tout disent non, lui, les Togolais. Moi, ici, gagné. Je ne pas avoir le style de tel. Donc, du coup, ça a pris à l'étranger, mais dans votre pays même, là, ça décollait doucement. Doucement. Les gens ont connu ça un peu. On a dit, ok. Mais il a dit, je vous ai dit, les compositeurs, il a le don de composition, il a dit, dans le prochain titre qu'on va faire sortir, là, non seulement il faut qu'on fidélise le monsieur, et puis en même temps, il faut qu'on monte au pays ici, là, qu'on y voit. Là, comme ça, ça va. Tu vois, tout le monde va venir derrière, et puis pouf, l'ascension va bien, ça va bien prendre. Il a dit, ah, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est pas faux. Donc, essayons de voir. Ah, mais quel est Fila, Saba. Donc, tout le monde en dit, ah, ok, ça c'est ouais, c'est les ouais d'ici, tu vois un peu, non? Donc, quand le premier mouvement a pris, le monsieur, il a dit, ah, c'est bien, il n'y a pas de souci, je vais vous tester sur un album. Donc, essayez de faire un morceau de promotion pour l'album, puis on va voir. On dit, ok, quand on a frappé le Kélé, dès qu'on a lancé, donc ça nous a fait connaître dans la Côte d'Ivoire. Ça, c'était le morceau qui nous a fait connaître déclencheur dans la Côte d'Ivoire. Dans notre pays, tout le monde a soulevé le morceau. Et on remercie ici tout le monde, que ce soit M. Thierry Kouassi, que ce soit Olivier Kassi, que ce soit Dame Judith. Voilà. Le vieux père. Ange Laurent Famien, il y a le vieux père. Le vieux père, son nom là. Le vieux mogo. Ange Téblaise, t'as oublié son nom. Voilà, tout ça c'était toutes ces personnes étaient derrière. Tous les DJ. Tous les DJ. Voilà, votre représentant est là. Vraiment, on vous dit merci. Tout parce que franchement, ils ont attrapé le morceau. Ouais. Ils ont envoyé le morceau. Tu vois le morceau. Et c'était. Voilà, la première fois que je vous ai vu poster avec la chanson, c'était à la rue. Dans une boîte où mon ami Eric Olomide a tout le monde sait déjà, pas besoin de Ouais, c'est clair. Voilà, c'était un dimanche. C'était un dimanche, c'est arrivé par surprise comme ça. On dit, ah tiens, tiens là. Oh. Vous avez tué, c'était en 2014. C'était super. J'ai dit, ouais, ceux-là, ils vont aller loin. Et dans l'ascension, un point très important de l'ascension. Ça encore, mon ami, il a dit, Joe. C'est ça, on dit, quand vous avez la même vision, vous voyez loin. Ouais, et vous ne brûlez pas les étapes. On dit, c'est vrai. On a ivoirisé le son, on a mis notre touche, c'est bien. Mais maintenant, il nous faut un staff assez. Donc, il nous faut un manager. Parce que notre gars qui s'appelle Ange Laurent Famien, qu'on salue ici, c'est un frère, mais c'est un vrai frère. Il sait qu'il n'est pas manager. Il se plaçait en manager pour nous aider à avancer. Donc, arrivé un moment, il a dit, les gars, il vous faut un vrai manager. Moi, là, j'ai fait ce que vous pouvez payer sur votre frère. Mais maintenant, là, on n'a qu'à trouver bon manager. C'est lui qui nous disait, on n'a qu'à trouver bon manager et puis le mouvement ne va plus décoller. C'est comme ça, on a connu Tona Tona. Le babu. Voilà. Moi, ça me l'a donné, j'ai commencé, mais ça ne marche pas. C'est un élément. Le monsieur. C'est un élément qui a vraiment donné de l'ascension. Après, le vous, il ne travaille plus la nuit. Il dort la nuit maintenant. Vous lui donnez l'argent, il dort la nuit maintenant. Oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Il dit, bon, moi, il ne veille plus. Il a trop veillé, le monsieur. Voilà, il va vraiment la journée. Et donc, on ne pouvait pas citer tout le monde sans citer vraiment Tona Tona qui a été vraiment l'un des pionniers de l'ascension. Ça veut dire qu'il a structuré votre carrière. Il a tapé à l'œil. Il a dit, ah, il y a un élément là, allons le chercher. C'est vrai, il passe à la télé, fait des trucs pour les boîtes, mais il est réfléchi et puis il a des. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose. Allons le rencontrer. Il dit, c'est vrai. Enfin, allons. C'est comme ça qu'on a eu la connexion et aujourd'hui, une famille. Super. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, vous n'êtes pas dans le bruit, vous avancez doucement. Voilà. Doucement. Non. C'est la merde. À la banque, après, on ne peut pas brûler. Domolo, Domolo. À la banque, tâche noire. À la banque, on ne peut pas brûler, mais c'est là-bas, il y a tout là. Il n'y a pas de musique là-bas. Alors, Mehdi, dis-moi,
Bon, moi j'ai appris un truc. Toi tu apprends, toi tu es un apprenant. Oui, moi je suis là pour apprendre parce que je me promène, j'écoute, je rase les murs pour entendre. Mais c'est quoi ton rasoir là? J'ai appris que j'ai appris que vous êtes des ingrats, mais monsieur. Ça là, vous à tout le monde. J'ai appris que vous êtes des ingrats. Le monsieur, vous-même, vous avez dit vous êtes tapé. On est deux gras ou bien un gras? Deux ingrats. Vous êtes deux ingrats. Non, les ingrats. Enfin, vous êtes ingrats. Hein? Le monsieur, il veut me mélanger. Il ne veut plus la question. On ne fait pas des erreurs. Alors, j'ai appris que le producteur, là, il y a une tour de palaves. Vous avez la vente. Quand vous avez commencé à manger un peu, vous avez jeté le monsieur. On a commencé à manger. Mais ça, oui. Mais c'est là, tu vois. Après, nous avons amené un piaf. Tout à Nadia, comment oui, vous avez l'argent maintenant, le monsieur. Avec tous les vrais clips, tous les vrais clips, il a fait pour vous là. Vous dites non, que ouais, vous c'est fini. C'est... Et Donald, il me paraît que c'est lui-même qui vous a encouragé. Ah ouais, parce que nous, on est des enfants. Ah, non, mais. Là, nous, on va pas Coco Baka. Bon, ouais. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Il y a juste des mésententes, mais pour l'éducation qu'on a reçue auprès de nos familles. Et auprès de ses grands frères, on ne va pas s'étaler dans la presse comme le feraient d'autres, je pense. Nous, on n'est pas comme ça. Et nous, tout ce qu'on peut dire, lorsque notre bouche commence à faire sortir des mots, c'est pour dire merci à ce monsieur et à toutes ces personnes là qui ont contribué à l'élévation de TNT. Et voilà, c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. C'est travailler pour rendre ces personnes là fières malgré tout ce qui s'est passé. On dit, vous avez laissé le monsieur. Ça lui fait mal. Alors qu'il a dépensé son argent sur vous. Au moins, il va bouffer maintenant. Vous voulez partir. C'est ça de ça qu'il s'agit. Au moins, il va bouffer la viande ou bien... L'argent de TNT. Est-ce que je dis, moi, je ne sais pas où est l'argent là. Donc, si tu en as, tu nous donnes. Comme ça, il n'y a plus. Non, mais vous êtes trop choco. Regardez-moi bien. Non. Vous êtes trop choco. Ça, tu as grossi. Non, la même forme là. Non. Nous, on vous connaissait TNT depuis. Et puis, les histoires de TNT, ils sont ingrats. TNT, ils sont gonflés. Ça, on entend ça depuis le début de la carrière. Et ça, c'est le leitmotiv de tout artiste, tu vois. Dès que on t'appelle une fois que ça sonne, tu décroches pas. Tu as guindé, tu as gonflé parce que tu as réussi. On dit même pas, ah, peut-être il dort ou bien il est au studio en télétravail. On dit, oh, peut-être il était sous la douche. Peut-être il était sous la douche. Mais ça, là, on calcule pas. On dit, toi, tu as gonflé, hein, tu vois. Donc, c'est plein de choses qui arrivent. Et quand tu es professionnel, tu prends tout ça sur toi, tu vois. Et quand tu prends tout ça sur toi et que tu as encore la tête sur les épaules, ça te permet d'avancer, tu vois. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, tu es avec nous, tu nous côtoies, tu sais comment on est, tu vois. Donc, laissez les gens. Dit ce qu'ils veulent et vous approcher pour connaître les vraies personnes que nous sommes, tu vois. Nous ne sommes pas des personnes fausses et on ne va jamais s'étaler contre quiconque dans la presse ou quelque part. Ce que les gens racontent, la laisser raconter. Ouais, nous, on travaille. Nourrie, tu ne peux jamais, cracher dedans, tu vois. C'est pas possible. Donc, notre père, nous, on a trop de respect. Trop de respect pour venir. Tu vois, c'est même pas bien de venir parler dit, de lui. Ah, ouais, on dit, il est fâché. Donc, et on dit quoi? C'est un monsieur respectable, comme ça, on va venir devant caméra. C'est impossible. Pour venir dire, le monsieur est ici. Je ne peux jamais compter sur pour parler mal. C'est pas besoin. À la télé. Avec le temps dedans, mais putain, tu têtes, merde. Tiens, mon frère. Toute personne, on peut être tapé, moi, toute personne ne croyait en nous. C'est nous qui croyons en nous. Tu comprends? Donc, nous, on ne peut jamais se placer là devant une caméra et puis parler. Mais qu'est-ce qui a bien pu créer jusqu'à c'est arrivé où on s'est fait. C'est ça, on te dit là. Tu sais, arrivé loin. Les gens vont envenimer et puis les gens cherchent à toujours souffler sur le feu, ça va prendre. Quand quelque chose est en famille ou bien quelque chose est géré, doucement, vous laissez, nous, on gère doucement. Et puis demain, vous allez voir. C'est fini. Hein? C'est comme ça, tu vois. Faut pas envenimer les choses. Faut mettre glace. Non, tu vas venir dans la il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu as un petit arrêt, tu as un problème avec quelqu'un. Même pas. Depuis. Voilà, mais depuis, il y a un temps. C'est pas rien. Ça, c'est des trucs en famille, vous allez voir. Est-ce que nous, on est venu s'étaler pour dire oui, on a un problème, on a fait ça? Non. Il n'y a pas de souci. Pourquoi quand il n'y a pas de souci, on veut forcément dire. En Afrique, on dit quand il y a bonne nouvelle, il n'y a pas de nouvelle. Maintenant quand il y a ta nouvelle, il y a mauvaise nouvelle. Non, c'est quand il y a mauvaise nouvelle, il y a nouvelle en fait. Non, moi j'avais le verlan aussi. Quand il y a bonne nouvelle, il n'y a pas de nouvelle. Non, s'il n'y a pas de nouvelle, c'est que la nouvelle est bonne. Ah, d'accord. On ne parle pas des problèmes africains, on ne parle pas des verlans. Mais qu'est-ce que ça va pas dire? Il ne veut pas dire, le gars.
Tiens, du family. Ouais, c'est la famille. C'est la famille, c'est la famille. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec cette très belle plage musicale de TNT. Toujours, les gens, ils travaillent bien dans ce pays. Il faut reconnaître ça, c'est important. Alors, Mehdi, dis-moi, moi, je vais te poser une question. Je viens de voir quelque chose qui m'intrigue, moi, je veux savoir. Tu as le coup bandé. Mon coup n'est pas bandé. Il y a même une minerve, bandé. Non, il y a des bandés. Bandé. Mais ils ont mis plate. Comment on appelle ça? On appelle ça une minerve. Minerve. Sinon, chez nous, à Yupour aussi qu'on boit, nous, on appelle ça calé. Ça cale coup. Minerve, c'est minerve. D'accord. Mais comment, tu t'es battu le mari de quelqu'un? Non, bien. C'est vrai que je prends des coups de boxe taille pour fêter mes punchlines, mais papa, bon. Ciao. J'étais dans mon véhicule, je venais au studio d'ailleurs, et puis un véhicule a quitté sur sa voie pour venir me cogner de front. Tu n'as pas mis la ceinture ou quoi? Si, c'est justement ça fait que j'ai envie. Ça, là, c'est et si j'avais pas mis la ceinture, alors là, tu portais mon t-shirt en train de dire les phases. Les phases magiques déjà là. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est chiffré, on s'est dit quoi? C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. Mais là, on va pire. On fait conseil. On est à TNT. On dit à la fin de 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 la C'était un gros choc quoi parce que le gars il me dit lui quand il vient il n'a pas vu de véhicule sur la route. Il te jure, donc non, on est resté sidéré, on le regarde comme ça. Et il était choqué, il dit non, lui il avait personne, c'est pour ça qu'il venait en plein et il voulait esquiver le dodan. C'est pour ça qu'il est passé sur ma voie, que lui n'a pas vu. Il dit bon. Les gens ont commencé à être inquiets à cause de avant voir. Si on dansait, on faisait pas par là-bas. Ah, tu vois la batterie. Ça les fatigue. Oh là là. Toi, on veut te tuer déjà. Mais pourquoi lui, on ne veut pas le tuer, c'est toi, on veut te tuer. Eddie connaît les attaques. Souvent, on dit celui qui est à côté de toi là. C'est ton vrai sorcier qui a. Celui qui est à côté à droite. Non, on dit là à droite. C'est ma gauche. Ah, c'est moi, fais tout, toi. Moi, je fais tout. Mais lui, il a son véhicule. Il était dans son véhicule. Ah oui, suivi. Lui, maintenant, il passait sur le voie. Il était déjà là. C'est lui-même qui m'a appelé pour dire. Il a dévancé, puis il a laissé le dessus sur la route. Il dit, bâtard. Jamais. Non, c'est juste pour rire. On prie beaucoup. Ouais. Tu sais, avant de faire sortir un morceau, on prie, on jeûne. Nous trois avec le manager pour avoir la date, on prie en jeûne de sortie. Il y a Dieu dans tout ce qu'on fait. Tous et on dit pas ça parce qu'il y a une caméra et autres, tout ça. Parce que écoutez, pour choisir c'est quoi qui doit sortir, on prie. On prie. Et on dit pas ça parce qu'il y a une caméera. Parce non, que après, la prière. Il y a des gens qui aiment bien parler de Dieu devant les caméras. Ou tu sais, il y a un truc. Non, c'est pas bon. Par rapport à nous, le truc qu'on va te dire et on va dire aux fans, la prière là, c'est pas pour faire joli, c'est pour espérer aller au paradis. Donc nous on ne fait pas ça parce qu'il y a une caméra pour que les gens se disent hey, ils sont bien, ils prient. On ne prie pas pour les gens. Mais salut les gens. Mais ce n'est pas pour qu'on nous dise ouais, vous êtes bien. On prie pour aller au paradis. Maintenant, en attendant le paradis, Dieu te dit que lorsque tu me pries, ne te soucie pas de ce qui est derrière, de ce que tu veux, de tes besoins, je vais m'en occuper. Donc nous voilà, on prie et puis Dieu gère le reste. Quoi. Quelle relation vous avez avec les différents acteurs de la musique en Côte d'Ivoire? Les acteurs ensemble, les artistes déjà, parce que acteurs ça regroupe tout le monde, un promoteur de. Oui, c'est pas artistes. Non, disons d'abord les artistes d'abord. Pour ma part, ce sont des collègues. Donc c'est comme si nous étions dans une entreprise. Faut être courtois. Quand tu vois l'autre, tu le salues. Il te salue et puis quand on rentre à la maison, chacun est chez lui. Voilà. Parce qu'en réalité, on n'avait pas, en tout cas, on n'avait pas vraiment d'amis avec qui on, voilà, avec qui on papotait et on s'est retrouvé dans le showbiz. D'accord. Donc, actuellement, est-ce qu'il y a certains avec qui vous avez des affinités? Oui, avec qui on échange. Voilà, tout de garde. Tout de garde, ouais. Turas et tout, on parle beaucoup. Il m'a appelé, je crois, hier. Il y a Tua, il y a Shadow Chris, mais Shadow il est beaucoup occupé aussi, ouais, donc à force d'arranger. Si on ne se voit pas trop, Roche, on est toujours ensemble. Roche, on est ensemble, voilà. Jupiter Da Vibe,
Ouais. Tu le connais? Le Béninois. Le Béninois. Il est là, tu vois. Oui, on a un feat avec lui aussi. On se parle bien. On ira le voir pour faire le fa-fa. Yeah, ça serait super. On parle aussi avec Mani Bella. On parle avec Fabregas. Mais c'est plus ces gars de... Okay. Ici là c'est juste des messages de comment tu vas, voilà. Tout ça, respect, bonjour, père, bonjour. C'est cordial, quoi, c'est bien. C'est cordial, voilà. D'accord. On manque pas de respect, on se donne pas l'occasion aussi pour qu'on nous manque de respect. Super, super. Et on a appris que. Tu as appris quoi encore? Non mais calmez-vous. Tu as pas appris, tu as des nuits toujours. Tu as ta peur seulement. Oui. TNT aujourd'hui, il refuse les cachets. Hein? On trouve le gombo pour vous, vous refusez sous prétexte que c'est le contrat. On refuse de se cacher. Ou bien on refuse de cacher. Vous refusez de cacher. Ça, tu m'as donné la vidéo. Vous dites que c'est trop petit. En fait, il y a un truc. Moi aussi, j'ai appris un truc. C'est que les gens aussi qui apprennent là. Quand on leur dit des choses, nous quand venir à la source. Là, des fois on vous donne des informations. Pas non, on est là la source. Non, mais vous, des fois vous prenez les sources là en retard. Hein. Quand on vous donne les fausses informations là, vous venez directement vers les enfants. Les enfants, on dit vous voulez pas se cacher. Ils disent, non, je veux pas, c'est pour. Et puis on vient. Uh-huh. Mais quand vous gardez, et puis ça gâte non après. Maintenant après, quand tu as fini de faire du mal à l'enfant ou bien tu es fâché, tu as fini de l'insulter. Et puis maintenant vous croisez des années ou des mois plus tard. Et puis voilà. L'enfant explique, la personne qui a fait le retour aussi dit ah c'est vrai, c'est moi Isaïe. Tu vas faire comment? Tu as déjà gâté l'enfant ou bien tu fais comment? Ne prenez pas parti. Non. Quand vous entendez une information, si vous avez la possibilité de rentrer en contact avec la personne sur qui est lancée cette information. Venez demander. Pardon, TNT n'est pas gonflé. Hein. Non, même on n'est pas pimpin. On va être gonflé. Moi, je me rappelle ici, Donado n'y peut témoigner. Je me rappelle ici, il y avait des personnes qui n'avaient vraiment pas les moyens. Mais qui ont TNT. D'accord. Ils m'ont appelé Donado. Donado est venu nous voir, les gars. Voilà, voilà. Ce sont des gens qui n'ont pas les moyens. C'est pas comme si on a l'argent et qui cachent. Oui. Ils n'ont pas l'argent, mais vous aimez. Il y a eu des spectacles où la maman nous aimait et puis elle aimait quel autre artiste. On est venu et on a payé le cachet de l'artiste. Mais on lui a pas dit que c'est nous qui avons payé. Voilà. On a fait croire que c'est la maman qui payait. Et puis on est venu, on a fait le show. Franchement, donc, dans la vie, faut pas dépendre de la vie. Dans la vie, on se prend pas la tête. Si on sait que toi, tu as l'argent, ça, il dit la vérité. Hein. On sait que tu as l'argent. Et puis toi, maintenant, tu veux nous prendre. Hein. Non, là, toi aussi. Il est payé maison. On se fait respecter. Voilà. Moi, il paye maison aussi. Voilà. C'est tout, quoi. Aussi. Non, les autres sont payés maison, ça te fait mal. Ça me fait pas mal. Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être qu'il y a une maison qui s'est. Ah, il a demandé. Ah, comme tu dis, tu payes maison aussi. Mais c'est ma chanson, voiture. On veut rouler aussi. Maison. Nous, on veut construire aussi. Non, pas il y a une maison, il ne faut plus la construire. Ah non, j'ai une maison. Ah, moi, il ne sait pas. C'est une française de la musique. Toi, t'es derrière. Ouais, mais c'est ça. C'est qui avait nous besoin de la maison? Les gens vont dire voilà, Mehdi s'assoit dans la télé pour dire qu'elle est la maison. Il se gonfle maintenant. Ouais, c'est moi, c'est ça. Ah, mais les gens vont dire voilà, Mehdi, c'est qui n'a pas dit là. C'est ça. Ranzi va dire maintenant. Ranzi aussi, il se gonfle maintenant. On a compris quelque chose dans la vie. Dans la vie, il faut rester humble et simple. Dieu va élever. C'est tout. Tu peux pas empêcher les gens de parler. C'est vrai. Mais il faut que. Lorsque quelqu'un jette le regard sur toi et puis remarque un peu, il va dire ah je m'étais trompé. En réalité, il n'est pas comme ça. Oui. Et puis il y a un truc aussi, parce que moi ça me revient beaucoup, on dit ouais Mehdi il est gonflé, quand tu le vois dans les coins, il est... En fait je le fais pour me protéger, pour protéger ma personne. Parce que beaucoup de personnes aussi ont le malin plaisir de vouloir rabaisser les artistes quand ils sont en groupe ou ils sont avec leurs amis. Tu vois, parce qu'ils t'ont connu peut-être dans le passé. Donc ils veulent venir montrer à leurs amis que ouais, vous le voyez en star là, mais off, lui c'est rien. Alors que toi tu vis de ton image. Tu vois. Donc après, quand vous venez vous nous approcher, faut savoir venir. Mais quand tu viens et tu tapes sur la tête de au plantain là, c'est comment? Je vais réagir comme une star. Je vais te dire de ne plus faire ça. Parce que en le faisant, tu ternis mon image. Et ça me rabaisse, tu vois. Donc, ce sont ces personnes-là. Quand comme tu. Une coquille que tu mets. Voilà, pour me protéger. Ouais. Sinon, après, tous ceux qui m'approchent, je suis taquin. Je suis le plus taquin du groupe. Ils aiment me moquer. Ils savent tous. Ils aiment me moquer, tu vois. Mais après, quand on est dans notre sphère musicale, oui. Je suis dans mon coin. Un artiste, c'est un artiste. Parce que faut se respecter. Très vite, le manque de respect vient dans ce showbiz là, tu vois. Donc, faut mettre des barrières. C'est ce qu'on fait. D'accord. Non, mais c'est bien. C'est bien. Comme ça, ça évite beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui t'a connu au quartier, on t'appelait Papitou. Il va te voir. Oh, Papitou. Oh, mon petit. Oh, Papitou. Oh, Papitou. C'est quoi tout ça là? Il y a plein. Donc, les gars, aujourd'hui, là, quel conseil est-ce que
quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui, comme toi-même tu as dit qu'il y a des jeunes gens qui vous envoient des mails, mon frère, il y a des noms, on a du talent, même moi ça m'arrive, hein. Et voilà, on m'envoie des messages, ah, grand frère, il faut m'aider, tout ça, machin. Tu vois, souvent aussi, tu n'as pas, tu sais pas quoi dire à la personne, tu vois. Voilà. Donc, voilà, tu sais pas quel conseil donner, il te dit, ah, grand frère, aide-moi, faut faire un son pour moi, tu vois. Oh, toi-même, là, où tu vas arriver, tu n'es pas encore arrivé là-bas, tu vois. Wow. Tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, et puis demain, ça va être d'une manière, tu vois un peu, non. Donc, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes gens qui vous regardent à la télé, qui vous voient en spectacle, qui ont envie vraiment d'embrasser une carrière musicale, de faire fort comme vous? Le premier conseil qu'on doit donner aux petits frères, c'est de ne pas regarder, je vais dire, le produit fini qu'est l'artiste que nous sommes. C'est-à-dire, je prends beaucoup d'exemples, hein, TNT, Shadow Chris, parce que autant ils te regardent en train de passer sur des grandes chaînes, dans de gros spectacles, ils ont envie de percer rapidement parce qu'ils ne voient pas tout le chemin que tu as parcouru en arrière. Donc ils vont soit s'adonner à la drogue, aller vendre la drogue pour avoir l'argent pour faire ça, ou bien celui-là va lui dire, ouais, il faut faire médicaments pour avoir l'argent, parce qu'il veut vite avoir le succès que ceux qui voient la télé ont eu. Alors qu'ils ont fort, ils ont combattu pendant au moins 3-4 ans derrière pour avoir le succès la cinquième année. 10 ans, tu vois. Et c'est ça le problème de la jeunesse aujourd'hui. Lui, il veut réussir aujourd'hui, là. Tu vois. Donc, quand il t'envoie des mails, que tu lui dis, continue de bosser, pour lui, il ressort ça comme, je ne veux pas te produire. Tu vois. Alors que tu es en train de lui. Ou bien tu vaux rien. Ouais. Alors que c'est pas ça. Le niveau dans lequel, le game dans lequel on est, il est élevé. Il n'y a pas de place pour l'amusement. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est du business. Tu vois. Si moi, je te prends et que je mise sur toi, il faudrait que je sois sûr que tu veux vraiment faire carrière. Faudrait pas qu'à un moment, quand tu vas avoir le coup dur, parce que même quand tu as un producteur forcé, tu vas avoir des coups durs. Okay. Et quand tu vas avoir le coup dur, tu vas maintenant dire, moi, j'ai plus chanté un. Et celui qui a mis des millions sur toi. Tu vois. Donc, faut savoir ce que toi, l'artiste, tu veux. Faut savoir que tu chantes plus maintenant pour la chérie Coco, mais tu veux chanter pour faire carrière. Faut avoir une vision. Et surtout, faut aller à l'école. Ça, c'est nous, ça. Faut aller à l'école pour savoir lire contrat. Pour comprendre toi-même. Avant que quelqu'un ne vienne t'expliquer. C'est très important. Pour les groupes, apprenez à vous connaître d'abord. Voilà. C'est très important. Est-ce que nous trois, on a la même vision? On veut aller au même dans la même direction. Voilà. C'est très important. D'abord. Et ensuite, il faut croire en Dieu. Faut croire en toi-même. Tes capacités, ton talent. Il faut savoir que si tu barres, ça va forcément payer. Alors TNT, merci en tout cas merci d'avoir reçu l'équipe Ivoire TV Musique. C'est la famille, c'est la famille. Voilà, vous ne triez pas, comment on peut dire ça, les télés, vous êtes partout, c'est important, c'est important. Merci. Et on est aussi partout avec les fans, hein. Des fois on le fait en cachette, on va voir des fans dans les quartiers précaires, on allait à Djoufou, on fait des dons, on fait beaucoup, on aime aller au contact des personnes. Voilà. Ouais, je voulais même venir à cette question là. Nous on a appris que souvent vous faites dans les œuvres caritatives, de temps en temps, tout ça, machin. C'est vrai, c'est ça? Oui. Ouais, mais pendant qu'on est dans notre carrière, même au départ, je me rappelle un jour, on s'est dit, on va pas attendre d'avoir les milliards avant d'aider les autres. Donc on a dit, dès que ça commence à aller un peu là, faut positionner bien les choses pour aider les autres. Et c'est ce qu'on a très vite commencé. Et voilà, on a commencé par la commune de Port-Boué, tout le monde a appris ça. On a donné près de 1,5 tonnes de riz avec des vivres aux veuves et aux orphelins. Et voilà, on a un plan qu'on prépare dans ce cadre. Vous le faites aux fondations aussi, ouais. Oui, mais on veut être en activité de façon officieuse pendant un bon moment. Avant de faire ça de façon officielle, parce que quand c'est officiel, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui vous apportent des dons. Tout ça officiel. Officieux. De temps en temps, tu peux dire bon. C'est pas ça. Officieux parce que nous-mêmes, on veut savourer ce plaisir-là qui est de donner, de partager. Donc nous, quand on a nos spectacles, lorsqu'on rentre, on enlève nos 5 francs. Quand on enlève la dîme, là, chacun enlève 5 francs, il met à côté, puis on prend. Et puis on va, on achète de la nourriture et tout ça. Et puis on va dans des quartiers où on distribue la nourriture. Et là, on a un truc que nous sommes en train de développer, c'est que moi je suis orphelin, donc je sais ce que c'est que de vivre sans quelqu'un. Donc on a vu des mamans veuves leur demander
quels sont les besoins. Ils nous ont dit les besoins. Nous sommes en train de se préparer pour les aider à avoir à faire du commerce, tout ça pour aider nos petits frères. Et ça, on veut faire ça de façon officieuse. Ouais. Pour nous-mêmes, avoir ce bonheur-là de le faire. Parce et puis après, officiel, il y a tous des gens qui rentrent en ligne de compte. Voilà. D'avoir les milliards pour aider. Les millions et milliards, c'est quand ça sera officiel, les gens vont voir vos activités. Oui, mais déjà, officieusement, on veut vraiment participer. Quoi. Et il n'y a que ce moyen-là quand c'est officiel. Hein? Tu donnes un moment du travail. Le petit orphelin qu'elle a, elle va avoir à manger. Bien sûr. Puisque maman est là, maman pour lui, voilà. Pour lui donner. C'est que tu auras fait du bien. Parce que lui, s'il a grandi dans un environnement où il mange à l'aise et tout, c'est une bonne personne qui se développe. Et après, s'il fait des enfants, ses enfants seront bien. Et sans te rendre compte, tu as aidé des générations. Ouais. Voilà, on fait des visites surprises, on fait des spectacles surprises dans les maisons. Hein. Des spectacles gratuits. Gratuits. On va dans les maisons, on nous dit, la fille, elle aime TNT. Mm-hmm. Ok, d'accord. La dernière fois, on a fait un concours qui maîtrise la chanson Inch'Allah de TNT. La fille était à Boaké. On a pris nos véhicules, on allait à Boaké. On allait la rencontrer. On a rencontré la fille. Elle a pleuré. Elle ne pensait pas qu'on allait faire tout ce chemin. On a dit non, c'est ça le truc. Vous devez être des TNT dans vos secteurs d'activité. C'est-à-dire quoi? Apprendre à encaisser la douleur, les difficultés et réussir pour donner l'envie aux autres aussi de le faire. C'est comme toi. Tu vois. Et c'est émouvant de partager ça. Il n'y a pas que la scène seulement qui procure ça. Tu vois. C'est aller vers les personnes. Nous, on est allé, on a fait un concert à Yamoussoukro il n'y a pas longtemps. Il y a une fille qui a couru derrière la voiture et qui nous a dit, Aïcha, on nous dit avec les parents, que la petite, elle était dans la prostitution, elle fumait, elle était parce qu'elle avait été violée, je crois, à 12-14 ans. À 12 ans. On dit qu'elle a écouté Viséo de TNT. Elle a arrêté, sans qu'on lui demande, elle a arrêté la drogue, la cigarette, tout ça. Et elle nous l'a dit en pleurant pour dire que les conseils qu'on donne dans nos chansons l'ont touché. Après, on nous dit qu'elle était inconsciente, elle avait perdu connaissance, elle avait été empoisonnée. La même. Sa maman a fait jouer les chansons de TNT, elle s'est réveillée. Et c'était, ça coïncidait avec notre arrivée à Yamoussoukro. C'est pour ça qu'elle s'est réveillée, elle est venue directement nous voir. Donc on s'est dit, à un moment on s'est dit, mais tout le monde chante les bêtises dans les chansons, ça prend. Nous là, pour nous là, c'est vrai, ça prend, mais ça fait comme ça là-bas, on débattit. Donc on rentre dans les trucs aussi, mais. Là c'est rapide, rapide, tu vois. Là c'est rapide. Ouais. Il m'a dit, quand on a eu le témoignage, il y a une dame aussi en émission radio qui a appelé, puis elle a dit, mon enfant. Quand il pleure, je mets TNT, il arrête de pleurer. Quand j'enlève, il refait. Une chanson m'a pris avant de rentrer en studio. Donc on a dit, soigner les gens. On a dit, Joe, c'est que nous, c'est notre mission. C'est que c'est ça. Galvaniser les gens, créer le développement personnel dans nos chansons. C'est-à-dire, ils dansent. Lorsqu'il retient les paroles, il y a des phrases qui le touchent. Il prend ça, il prend pour avancer. Tu vois, quand on dit, quand Dieu coupe tes lesquels, c'est qu'il va te donner le boutin. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est pour dire que après les difficultés, il y a toujours une bonne nouvelle. C'est ça. Voilà, donc c'est ça et nous on est content de cette mission. On appelle ça une mission. Super. Au-delà de la passion. Super, super. Ben, dites-moi les gars, aujourd'hui, là, comme vous parlez là maintenant de votre musique, les gens, il y a certaines personnes, parce que c'est vos fans, hein, ça va changer. Mais il y a certaines personnes, surtout des gens qui se disent peut-être spécialiste ou je sais pas quoi, en tout cas beaucoup de personnes n'arrivent pas à définir la musique que vous faites en fait. Mais la trouvent bonne. Oui, la trouvent bonne, mais ils disent, mais c'est là, ils font des Zouglou, on sait pas, on vous met surtout dans Zouglou, un coupé décalé. Donc vous, comment est-ce que vous définissez votre musique? Bon, je te dis un peu. En réalité, TNT, c'est simple, TNT fait de la variété musicale. Maintenant, dans la variété musicale, on a créé un style propre à nous, que nous, on a appelé l'afro-mix. D'accord. Tu vois un peu? Qui signifie quoi, l'afro-mix? L'afro-mix, c'est simple. Comme tu entends afro, voilà, c'est un mélange de musique africaine et tout. D'accord. Mais c'est, nous, c'est dans un seul son, on arrive à métisser plusieurs genres musicaux, mais qui tirent leurs racines dans la musique africaine. Tu vois un peu? Voilà l'afro-mix. Du coup, quand tu écoutes avant, tu trouves en même temps... Ouais. Canet Sondé, Lolo Super. Côte d'Ivoire, Mickey du Cameroun. Et puis tu trouves un peu une guitare samplée de. Passant du Gabon. Tu vois un peu. Donc ça, c'est un mélange. Les kinés, ça commence en rock. Après, tu retrouves un peu le gimmick traditionnel. Les kinés à poids. Voilà, c'est un peu ce que TNTM fait.
Donc c'est l'Afro Mix, mais c'est dans la grande famille de la variété musicale. Musicale africaine. En fait, aujourd'hui, les gens veulent pas, ils n'arrivent pas à accepter. C'est ça notre mission. On ne veut pas être catalogué dans un seul genre musical. On veut appartenir à la musique. Vous êtes des artistes. Voilà. Ouais. Ouais. Pas avec un A. Voilà. Parce qu'un artiste, il peut tout faire. Tranquille. Ça ne va pas m'étonner de voir un jeu médianté de peine quelque part là-bas. Ouais. Peinture. Ouais, mais là, pour le moment, c'est les arrangements. D'accord. Je touche aussi les arrangements. Ouais, ouais, ouais. J'écris des chansons aussi pour d'autres. D'accord. Il peut venir payer une chanson chez toi. Ouais. C'est combien? Non, on discute. Ça dépend. Il y a soit le prix ou soit par rapport aux déclarations. Oui, non, mais bien sûr. Même quand tu. Même au States. Non, au state, il y a plusieurs manières. Là, il te donne un gros cachet et puis il abandonne ses droits. Il va acheter tes droits. Voilà. Mais ce qui est plus intelligent et malin, c'est de ne pas prendre et donner d'être déclaré. Ouais, c'est ça. C'est 99 ans. Ouais, c'est clair. Ça, ouais. C'est clair. Alors, les gars, une avant-dernière question. Et aussi, je m'intéresse aux réalisations des clips. Là, j'ai commencé à acheter le matériel aussi. Super. Ça, c'est un truc. C'est clair. Vous avez l'argent qu'on parle. Vous ne pouvez pas qu'on parle. Moi, je prends ta bénédiction. Hein. Ah, ouais, une caméra, ce n'est pas moins de 2 millions. Elle dépend de peut-être une caméra de 2 000 EP. On va attendre le clip que tu as fait là. Hein. J'ai un peu. Il y a fort. Mais dites-moi, les gars, une avant-dernière question avant qu'on se. Ah, tu finis pas depuis là. Non, je suis là. Non, aujourd'hui, bon, je sais que vous êtes très loin de tout ce qui est tumulte. J'exprime, mais. C'est rare de voir ça. Tout ce qui est tumulte. Tout ce qui est tumulte, tout ce brouhaha qui se passe. Il y a des gaffes. Ouais, dans la musique ivoirienne. Hein, oui. Je veux dire, les classes, ça s'insulte ici, ça insulte maman des gens ici, ça fait ça. Vous êtes. Moi, je n'ai pas encore tenu votre nom dedans. Donc, je suppose que vous n'êtes pas dedans. Mais quel est vous étant. Loin en fait, étant éloigné, vous regardez ça de loin. Quelle est votre façon de percevoir tout ce bruit là? Je pense que c'est le moment pour nous de travailler, de se positionner. C'est tout simple. Ouais. Moi les gens se battent. Moi je suis né pour faire la musique, j'espère né pour combattre. C'est vrai que j'aime la boxe thaïlandaise, que je pratique la boxe thaïlandaise, mais nous on a des chansons à terminer, un album à vendre. Donc on vend notre album, personne ne nous a provoqué. D'accord, mais vous n'avez pas un mot à dire par rapport à ça. Mon mot, c'est je vais travailler et continuer à travailler. Lui aussi, il va continuer à travailler. Donc vous n'avez rien à voir dans le bêtises là. Ça, c'est toi qui dis. Ça, c'est toi qui dis. Moi, mais moi, j'ai dit, c'est la bêtise. Il peut rien me faire. C'est la bêtise. C'est ça, il dit là. Nous, là, on dit. Nous, on va travailler pour mieux se positionner encore. Voilà. Super. Quand ça va, c'était battre à nous deux. Tu te bats avec Joe. De ta tante, tu as fait des dates pour attendre les places. Et tu vas te servir avant moi. Il m'a même servi. Ouais. Voilà. Je suis rassasié. Maintenant, si jamais aussi est fin, il y a moi et tout. Toi, tu viens, on dit, c'est pas fini. On dit, Kamay, non, c'est le Kamay. On était ensemble, tu te battais, je vais essayer de venir. C'est quoi? Super, super. Alors, les gars, on a. En avant, dernière question. Non, on a déjà fini l'émission. Quel est le mot de fin? De fin de TNT. Je commence par toi. Fin. TNT. Tu as dit mot fin, TNT. Fin. Le Fafa. À la prochaine. Même heure, même antenne. Vous étiez avec le Daéré. Yes. Et à Manu Madian, te demander les petits garçons en plein soin, étonné de nous voir le Maïk en Amérique parce qu'ils sont tous habitués à devoir tourner le rein. Et à Manu. Ivoire TV Musique. Toujours. On est ensemble. On les appelle pas.